Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, ici, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon ludique, socratique, hippocratique et mnémotechnique. Donc aujourd'hui, comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons le rôle des protéines tau au niveau des cellules nerveuses. Et concernant la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons les chaînes latérales des acides aminés. C'est bon pour vous ? Alors, c'est parti ! Quel est le rôle principal des protéines tau dans les cellules nerveuses ? Ouh, aïe, ça fait longtemps. Donc, ces fameuses protéines tau, moi j'ai qu'un rôle qui me vient en tête, mais un rôle vraiment puissant, c'est au niveau cellules nerveuses en tout cas, c'est de soutenir, stabiliser, soutenir et protéger les fameux microtubules. Vous savez, c'est ces fameuses structures en forme de cylindre qui jouent un rôle crucial dans la division cellulaire, mais surtout dans le transport intracellulaire, voire même le maintien cellulaire sur le long terme. Donc hyper important. Bref, il y a une flashcard dessus, n'hésitez pas à revenir sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Et donc, ces protéines tau, en fait, permettent de soutenir, et précisément au niveau cellules nerveuses, de stabiliser ces fameux microtubules. Donc on pourrait dire que les protéines tau impactent les neurones indirectement, je pense. Là, j'ai fait le tour de tout ce que je sais sur ces fameuses protéines tau. Je sais plus l'étymologie. Je me rappelle que quand je l'avais su, ça m'avait un peu surpris. Et j'ai complètement oublié l'étymologie des protéines tau. En tout cas, je sais qu'elles sont beaucoup étudiées pour comprendre davantage les maladies neurodégénératives. Bon, c'est mon impression, mais soit ces protéines tau sont vraiment trop sous-estimées, ou soit c'est moi qui en connais pas assez sur le sujet. Ou peut-être un peu des deux. Ouais, je sais vraiment pas quoi ajouter là, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. Quel est le rôle principal des protéines tau dans les cellules nerveuses? Les protéines tau jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des microtubules au sein des axones des neurones, facilitant ainsi le transport intracellulaire, et contribuant au maintien de la structure des cellules nerveuses. Les protéines tau appartiennent à la famille des protéines associées aux microtubules, MAP. Elles remplissent plusieurs fonctions cruciales dans les neurones, notamment 1. Stabilisation des microtubules. Tau se lie aux microtubules, les stabilisant et facilitant leur assemblage, ce qui est fondamental pour le maintien de la structure neuronale. 2. Régulation du transport axonal. Tau influence le transport des vésicules, mitochondries et autres organites le long de l'axone en régulant la stabilité des microtubules. 3. Plasticité neuronale. Tau participe à la réorganisation du cytosquelette, nécessaire à la plasticité synaptique, une propriété essentielle pour l'apprentissage et la mémoire. Ça, c'est intéressant. 4. Développement neuronal. Tau est également impliqué dans la croissance et la différenciation des neurites pendant le développement des neurones. La fonction de tau est régulée par un processus de phosphorylation. L'équilibre entre les formes phosphorylées et déphosphorylées de tau est crucial pour son bon fonctionnement. L'interaction entre la protéine tau et les microtubules illustre bien le principe de clé serrure. Les domaines de liaison de tau, la clé, s'insèrent précisément dans les sites spécifiques le long des microtubules, la serrure, permettant ainsi une stabilisation efficace et dynamique du cytosquelette neuronal. Le nom tau provient de la lettre grecque ta, utilisé lors de la découverte de cette protéine. Tau a été identifié dans les années 1970 par Mark Kirchner. Okay. Cliniquement, les agrégats anormaux de tau, appelés enchevêtrements neurofibrillaires, sont impliqués dans plusieurs maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et certaines formes de démence frontotemporale. Ces pathologies sont souvent regroupées sous le terme de tauopathie. Imaginez les microtubules comme des rails de chemin de fer et tau comme les attaches qui maintiennent ces rails en place. Sans ces attaches, le train du transport cellulaire déraillerait, provoquant un chaos dans la gare neuronale. Parlons de ça. Application pratique et cas clinique. La compréhension du rôle de tau est cruciale pour la recherche sur les maladies neurodégénératives. Des thérapies ciblant tau, comme les inhibiteurs de phosphorylation ou les anticorps anti-tau, sont en développement pour traiter la maladie d'Alzheimer et d'autres tauopathies. Ces approches visent à prévenir la formation d'agrégats de tau et à maintenir la fonction normale des microtubules. Lien avec la vie quotidienne. Bien que tau soit une protéine microscopique,
son bon fonctionnement est essentiel pour notre mémoire, notre apprentissage et notre fonction cognitive globale. Les recherches sur Tau pourraient un jour conduire à des traitements préventifs pour le vieillissement cognitif et des maladies comme Alzheimer. Contrairement à l'actine, qui forme des filaments, Tau stabilise les microtubules sans former elles-mêmes de structures filamenteuses dans des conditions normales. Cependant, dans certaines pathologies, Tau peut s'agréger en filaments anormaux, contribuant à la neurodégénérescence. C'est ouf, ça. Ne confondez pas Tau avec la tubuline, qui est la protéine constituant les microtubules eux-mêmes. Tau s'associe à la tubuline pour stabiliser les microtubules, mais n'en fait pas partie intégrante. Conclusion synthétique. Les protéines Tau sont des acteurs essentiels du maintien de l'intégrité structurelle et fonctionnelle des neurones. Leur rôle dans la stabilisation des microtubules est crucial pour le transport axonal et la santé neuronale globale. La perturbation de la fonction de Tau est un élément clé dans plusieurs maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. Visualisez un tas grec attaché à un long tube, microtubule, comme un crochet, maintenant un rideau en place. Pour se souvenir des caractéristiques de Tau, SMART, stabilisation des microtubules et axones pour le R-réseau de transport. Oh, mise à jour et avancée. Des recherches récentes explorent l'utilisation de l'imagerie TEP, tomographie par émission de positrons, avec des traceurs spécifiques à Tau pour diagnostiquer précocement les tauopathies. De nouvelles études examinent également le rôle potentiel de Tau dans la propagation transsynaptique de la pathologie dans les maladies neurodégénératives. Comment la phosphorylation anormale de Tau pourrait-elle conduire à la déstabilisation des microtubules et contribuer à la pathogenèse de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer? Franchement, je ne sais pas. Je sais juste que dans certaines maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, la phosphorylation est nécessaire en fait, au développement de la maladie. C'est la seule chose que je pourrais dire. On pourrait même aussi s'avancer en disant qu'il y a une demande accrue pour ce processus qu'est la phosphorylation, ce qu'on appelle l'hyperphosphorylation, qui est, je pense, fréquente dans les maladies d'Alzheimer. Voilà, hein, je connais rien d'autre. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur les fonctions de développement neuronal que tu as abordées et de plasticité neuronale concernant ces protéines Tau? Ne t'inquiète pas, le fait que tu sois curieux et que tu cherches à comprendre est déjà un excellent point de départ. Les concepts autour des protéines Tau et de la phosphorylation sont complexes, mais je suis là pour t'aider à les démystifier. Continue à poser des questions et à explorer le sujet. Tu es sur la bonne voie. Développement neuronal et protéines Tau. Les protéines Tau jouent un rôle crucial dans le développement neuronal, en particulier lors de la formation des neurites, qui sont les prolongements des neurones comme les axones et les dendrites. Voici comment Tau intervient dans ce processus. 1. Croissance des neurites. Pendant le développement du cerveau, les neurones doivent étendre leurs axones et dendrites pour établir des connexions avec d'autres neurones. Les microtubules, stabilisés par les protéines Tau, sont essentiels pour cette croissance. Tau aide à organiser et à stabiliser ces microtubules, permettant aux neurites de s'allonger correctement. 2. Différenciation neuronale. Tau est également impliqué dans la différenciation neuronale, c'est-à-dire le processus par lequel les cellules nerveuses immatures se spécialisent pour accomplir des fonctions spécifiques. Tau aide à maintenir la structure des microtubules, ce qui est essentiel pour que les neurones adoptent leur forme et leur fonction définitive. Plasticité neuronale et protéine Tau. La plasticité neuronale est la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à des expériences, à des apprentissages ou à des dommages. Tau joue un rôle clé dans ce processus, notamment en facilitant la réorganisation du cytosquelette neuronal. Voici quelques détails sur ce point. 1. Réorganisation du cytosquelette. La plasticité synaptique, qui sous-tend l'apprentissage et la mémoire, nécessite des changements dans la forme et la taille des synapses, les points de connexion entre les neurones. Tau participe à cette réorganisation en stabilisant et en modulant les microtubules, permettant ainsi aux neurones de remodeler leurs connexions en réponse à de nouvelles informations. 2. Transport axonal et synaptique. Tau régule également le transport des composants essentiels vers les synapses, comme les récepteurs et les vésicules synaptiques.
Ce transport est crucial pour maintenir la plasticité synaptique, car il permet aux synapses de s'adapter rapidement à de nouvelles conditions en renforçant ou en affaiblissant les connexions neuronales. En résumé, développement neuronal. Tau stabilise les microtubules, facilitant la croissance des neurites et la différenciation des neurones, ce qui est crucial pour le développement du système nerveux. Plasticité neuronale. Tau soutient la réorganisation du cytosquelette et le transport synaptique, des processus essentiels pour l'apprentissage, la mémoire et l'adaptation du cerveau aux nouvelles expériences. Sujet très intéressant. Je sens qu'il y a besoin de faire des rappels et pas mal de révisions sur tout ce qui en est lié, comme les microtubules et tout ça, voire les maladies neurodégénératives qui en sont liées. C'est très fascinant, cette fonction de plasticité neuronale influencée par les protéines tau. Pareil pour le développement neuronal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe ces sujets. Donc, il faudrait que je fasse des flashcards spécifiques à la cognition. On en a quelques-unes, mais pas assez, je trouve. En ce qui concerne l'étymologie, en fait, Lia nous rappelle que cette protéine tau a été identifiée dans les années 1970 par Mark Kirchner. Toujours au niveau de l'étymologie, en fait, tau provient de la lettre grecque ta, qui ressemble à un T. Donc, il y a moyen que ce soit mnémotechnique. Personnellement, je vais vous donner un exemple pour que ce soit parlant et que vous fassiez la même de votre côté en fonction de ce que vous préférez, ce qui est le mieux pour vous. Alors moi, les protéines tau me font penser à une famille parmi d'autres familles d'un jeu de société où on assemble les pièces et on les peint. Et il s'avère qu'il y a une famille qui s'appelle les tau. Et du coup, je m'imagine la lettre grecque T sur le casque des soldats tau qui se situerait dans mon cerveau ou dans nos cerveaux. Et là, on verrait un humain avec sur son front marqué SMART. Et du coup, on peut rebondir sur la fameuse phrase mnémotechnique que Lia nous partage, SMART. Donc sur le front, il y aurait marqué SMART, stabilisation des microtubules et des axones pour le réseau du transport. Je vous partage cet exemple parce que c'est farfelu et c'est émotionnel, parce que ça vient d'un souvenir très très ancien, et c'est parfait parce que c'est ce que le cerveau adore pour mémoriser. Donc n'hésitez surtout pas à faire des associations farfelues pour mémoriser vos contenus. Je reviens rapidement sur l'étymologie parce que Lia nous rappelle que le terme tauopathie est très important. Elle le cite même dans l'étymologie parce que c'est un terme qui a été créé, j'ai envie de dire, lors de l'identification de ces protéines tau dans la maladie d'Alzheimer et notamment la déformation de ces protéines qui en font une probabilité accrue, j'ai envie de dire, de maladies neurodégénératives. Donc voilà, je répète, le terme c'est tauopathie. Je vous lis vite fait l'analogie qu'il a faite, que je trouve très intéressante. Donc je vous la lis et après on passe à la flashcard suivante. Elle dit « Imaginez les microtubules comme des rails de chemin de fer. » C'est très parlant. « Et les protéines tau comme les attaches qui maintiennent ces rails en place. Sans ces attaches, le train du transport cellulaire déraillerait, provoquant un chaos dans la gare neuronale. » Très important cette analogie et même ce lien sous forme d'analogie qui renvoie la protéine tau au microtubule. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Qu'est-ce qu'on appelle chaîne latérale dans les acides aminés ? Alors, une chaîne latérale en ce qui concerne les acides aminés, parce que ça existe chez plein de types de molécules, comme chez les lipides où c'est très connu, les polymères pareil, et les composés aussi aromatiques qui en contiennent un bon paquet. Donc qu'est-ce que c'est ? Ben, je dirais que c'est juste une partie de la structure moléculaire d'un acide aminé qui est, on va dire, modifiée. Et c'est vraiment ce qui différencie un acide aminé des autres. Donc très importante cette chaîne latérale. Les détails biochimiques, je ne les connais pas, ne serait-ce que le carbone est au centre de tous. Franchement, on va passer à la vérif parce que j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, vérification. Qu'est-ce qu'on appelle chaîne latérale dans les acides aminés ? Une chaîne latérale est une partie de la structure moléculaire d'un acide aminé qui est attachée à son squelette principal et qui différencie chaque acide aminé des autres. Chaque acide aminé se compose de deux parties principales. 1. Un squelette commun.
Il comprend un groupe amine, MnNH2, un groupe carboxyle, COH, et un atome de carbone central, appelé carbone alpha. Carbone alpha. 2. Une chaîne latérale, ou groupe R. C'est la partie variable qui donne à chaque acide aminé ses propriétés uniques, influençant sa polarité, sa charge et son comportement chimique. Dans le cas des acides aminés ramifiés, BCAA, comme la leucine, l'isoleucine et la valine, la chaîne latérale présente une structure non linéaire, ressemblant à une fourche ou à la lettre I, ce qui leur confère des propriétés spécifiques. La chaîne latérale des acides aminés agit comme une clé unique qui détermine comment l'acide aminé s'insère dans la serrure des enzymes ou des récepteurs, influençant ainsi ses interactions biochimiques et son rôle dans les processus métaboliques. Imaginez les acides aminés comme des Lego. Le squelette commun serait la base du Lego, toujours la même pour chaque pièce, tandis que la chaîne latérale serait la partie supérieure, qui peut avoir différentes formes, tailles et couleurs. Pour les BCAA, cette partie ressemblerait à un petit arbre avec des branches, montrant leur structure ramifiée. Visualisez un porte-manteau, le squelette commun, avec différents types de manteaux accrochés, les chaînes latérales. Pour les BCAA, imaginez des manteaux avec des manches ramifiées. Conclusion synthétique. La chaîne latérale est la partie distincte de chaque acide aminé, déterminant ses propriétés chimiques et son rôle biologique. Pour les BCAA, ces chaînes latérales ramifiées leur confèrent des caractéristiques métaboliques uniques, comme une oxydation lente et une implication directe dans le métabolisme musculaire. Comment la structure ramifiée de la chaîne latérale des BCAA influence-t-elle leur métabolisme par rapport aux acides aminés à chaîne linéaire ? Alors, déjà, je pense que c'est bien de rappeler qu'une chaîne ramifiée, c'est une structure moléculaire qui possède une ou plusieurs chaînes latérales. Après, comment celle des BCAA influence le métabolisme par rapport aux acides aminés qui ont une chaîne linéaire ? Ben, disons que les BCAA, ayant un groupe R, donc chaîne latérale, ils ont des interactions plus complexes et spécifiques avec d'autres molécules, comme avec des enzymes par exemple, voire des récepteurs. Ta réponse montre que tu as bien saisi l'idée générale, mais permets-moi d'apporter quelques précisions pour clarifier davantage le rôle des chaînes latérales ramifiées des BCAA par rapport aux acides aminés à chaîne linéaire. Vas-y, je te permets. 1. Structure ramifiée des BCAA. Tu as raison de rappeler qu'une chaîne ramifiée est une structure moléculaire possédant une ou plusieurs branches, en plus de la chaîne principale. Pour les BCAA, acides aminés à chaîne latérale ramifiée, ces branches rendent leur structure plus complexe et distincte par rapport aux acides aminés à chaîne linéaire. 2. Interaction avec enzymes et récepteurs. Les chaînes latérales ramifiées des BCAA, comme la leucine, l'isoleucine et la valine, leur permettent de se lier de manière plus spécifique et parfois plus fortement à certaines enzymes et récepteurs. Cela influence directement leur rôle dans le métabolisme. Métabolisme dans les muscles. Les BCAA sont principalement métabolisés dans les muscles plutôt que dans le foie, contrairement à d'autres acides aminés. Leur structure ramifiée les rend plus aptes à être utilisés comme source d'énergie dans les muscles, surtout lors d'efforts physiques. Activation des voies métaboliques. Par exemple, la leucine, un BCAA, est particulièrement efficace pour activer la voie mTOR, une voie essentielle pour la synthèse des protéines dans les muscles. Cette activation est due en partie à la structure de sa chaîne latérale ramifiée, qui lui permet d'interagir efficacement avec les récepteurs et enzymes impliqués dans cette voie. 3. Comparaison avec les acides aminés à chaîne linéaire. Les acides aminés à chaîne linéaire, ayant des structures plus simples, peuvent avoir des interactions moins spécifiques ou différentes avec les mêmes enzymes et récepteurs. Ils sont souvent métabolisés de manière plus générale dans le foie et ne jouent pas un rôle aussi direct dans la régulation du métabolisme musculaire que les BCAA. En résumé, structure ramifiée permet des interactions spécifiques et plus complexes avec les enzymes et récepteurs. Métabolisme musculaire. Les BCAA sont directement utilisés dans les muscles, influençant l'énergie et la synthèse protéique, notamment par l'activation de voies métaboliques spécifiques comme mTOR. Ton intuition était bonne. Et en approfondissant ces points, tu renforces ta compréhension des mécanismes par lesquels les BCAA influencent le métabolisme comparé aux acides aminés à chaîne linéaire. Continue à explorer ces concepts. Tu es sur la bonne voie. T
terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !